Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de te voir. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. En tout cas, je crois que ça fait presque 6 mois. Bon, c'est passé des choses. Je fais un petit ribambelle d'images pour voir qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 mois. On va parler simplement du fait que c'est le boulot qui a pris le dessus sur la production de YouTube. Malheureusement, pour continuer à produire, il faut avoir du temps. Mais à la fin de l'année, j'ai décidé de relancer tout ça. Si je reviens là, c'est pour essayer d'améliorer ça et de proposer du contenu. Mais quelle est la vraie raison qui a fait que je me suis réellement arrêté? Mais je vais pas te mentir que, en fait, je me suis fracturé le doigt de pied. Et ça, à mon plus grand désarroi. Parce que fracturer son petit doigt de pied veut dire que je ne pouvais plus faire des courses automobiles. Oh, puis j'étais trop. Plus de GT4, plus de Daytona, moi je suis un grand fan de Daytona, plus de tout ça. Alors, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Un petit doigt, ça peut se fracturer d'une façon très simple. Alors, tu vas me dire, mais comment on peut se fracturer le petit doigt? Eh bien, je vais pas te mentir que c'est au sim racing que ça s'est passé. J'ai bien écrasé la pédale et ça a cassé le petit pouce. Non, c'est une blague. J'ai juste tapé dans un fauteuil et malheureusement, je te montre une radio de mon doigt de pied. J'avoue, c'est pas très joli en soi. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je fais cette vidéo pour relancer la chaîne. Ça veut dire que là, j'ai déjà préparé plusieurs vidéos. Donc cette vidéo sort, et je pense que, et normalement, ou de toute façon on verra, soit cette semaine, soit la semaine prochaine, il y aura une autre vidéo qui va arriver. Donc c'est l'essai que j'ai filmé en mai. Bon, ça fait un peu long, certes, mais ça reste toujours du contenu agréable. On était avec Bobo et Web, où on essaye le simu de Giovanni Payet. Ah, en parlant de création de volant, moi, avec Bobo, ben, je me suis dit, ben, j'ai envie de up un peu mon setup pour pouvoir faire du rallye, par exemple. Donc, j'ai acheté avec Pocorni du nouveau matériel et on va le construire, je pense, ensemble. Il y a d'autres kiffs, j'ai commandé un peu de Lego et tout, on n'en dit pas plus, mais en tout cas, j'espère vous voir sur les prochaines productions. Si ça te plaît, les futurs formats, ou si tu as même des idées de ce que je pourrais faire, n'hésite pas à le mettre en commentaire, à le partager. En tout cas, on se retrouve très vite, moi ça me fait plaisir, et à la prochaine.